Alors, je viens d'écrire un livre qui parle un tout petit peu d'avant Price Minister, mais pas trop, qui parle surtout de Price Minister. Et je l'ai fait parce que des gens m'ont donné l'idée, en fait. Disons que régulièrement, il y a des gens qui me demandaient un peu comment a démarré Price Minister, qu'est-ce qui était dur, pas dur, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, etc. J'essayais à chaque fois de répondre au mieux, et puis à un moment j'ai eu de moins en moins de temps, donc j'arrivais pas à répondre à tout le monde. Donc déjà je me suis dit que c'était dommage de, s'il y a des gens que ça intéressait, que je puisse pas leur en parler. J'ai eu envie aussi de donner un peu d'énergie, d'optimisme aux quelques personnes qui voudront bien le lire, en me disant que créer une entreprise en France c'était possible, que la développer c'était possible, et qu'on pouvait avoir une belle aventure entrepreneuriale en France, et qu'il fallait arrêter de dire que les États-Unis c'était génial par exemple, et que la France c'était très compliqué. Je pense que c'est pas vrai, je pense que c'est compliqué partout, et on a des atouts en France, on a des faiblesses aussi, mais en tout cas il n'y a rien qui justifie de dire qu'on peut pas créer de boîte ici. Alors, je suis intimement convaincu que les bas de cycle sont les bons moments pour démarrer une société, pour peu qu'on arrive à lever des fonds. C'est la difficulté, c'est qu'évidemment quand on est en bas de cycle, en creux économique, c'est plus dur de lever des fonds parce que les investisseurs sont un peu tétanisés, ils n'investissent plus. En revanche, si jamais on y arrive, à ce moment-là on a beaucoup moins de concurrents, voire pas de concurrents, puisqu'évidemment comme c'est plus dur de démarrer, il y en a moins. En plus, dès qu'il y en a un qui arrive, alors là pour les autres c'est vraiment difficile de lever des fonds, si on arrive en tout cas à faire savoir qu'on a levé des fonds. C'est le bon moment pour l'entrepreneur parce qu'il a moins de concurrents, c'est aussi le bon moment pour l'investisseur parce qu'il rentre sur des valeurs raisonnables. Et finalement, on peut dire évidemment l'entrepreneur il va lever sur des valeurs moins bonnes en bas de cycle qu'en haut de cycle, mais le but c'est pas que d'avoir une valeur plus ou moins bonne pour un entrepreneur, c'est de lever assez vite des fonds et puis d'arriver à développer sa boîte dans de bonnes conditions. Et si les investisseurs ont pris 20 ou 30% du capital, dans les deux cas, c'est pas ça qui a un gros impact sur l'avenir de la société finalement. Et donc je pense que les bas de cycle sont les bons moments pour des raisons de concurrence et puis aussi pour investir pour des raisons de valorisation et un aspect sain aussi. En haut de cycle, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui achètent des boîtes sans se demander ce qu'ils en feront ou qui investissent dans des boîtes sur des valos trop élevés qui en fait ne rendent pas service en entreprise pour les tours suivants. Moi, je crois beaucoup à l'investissement et à la création d'entreprises en bas de cycle. Je pense que pour entreprendre, il faut... Je pense pas qu'il faille être extrême pour entreprendre. En revanche, il faut arriver à encaisser l'extrême. Il faut arriver à encaisser des moments de grande joie, des moments de grande solitude et de gros échecs. Parce que... il n'y a pas d'aventure rectiligne. Et encore, je pense qu'avec Price Minister, on a eu de la chance. On a, à part le deuxième tour de table qui a été très dur, je le raconte dans le livre, mais à part ça, on n'a pas eu de gros problèmes. Alors qu'il y a plein de boîtes qui ont eu des gros problèmes. On a eu cette chance-là. Mais malgré ça, il y a quand même des vrais hauts et des bas, psychologiquement, en termes de... il y a toujours un moment où les investisseurs ont moins confiance, où ils se demandent si on ne va pas vous remplacer. Il y a un moment où vous ne savez plus quoi faire, quelle est la stratégie qu'il faut... Et donc, dans tous ces moments-là, il faut arriver à prendre du recul et à encaisser les coups et les sautes d'humeur de tous et ses propres sautes d'humeur. Et donc, il faut pouvoir faire ça, il faut en avoir envie d'une certaine manière. Donc, il faut une dose de folie, mais aussi, il faut aussi une certaine constance et une certaine rigueur pour traverser les zones de turbulence, je pense. Alors, on n'a pas cherché, en montant Price Minister, à faire une boîte écologique. Clairement, il ne faut pas se mentir, on a voulu faire un projet qui nous intéresse, qui nous amuse, dans lequel on prenne du plaisir. Ça, c'était peut-être la raison numéro un. Deuxièmement, on a voulu faire un projet où on puisse gagner de l'argent, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un jour de quoi ne plus avoir besoin de travailler, pour pouvoir travailler encore plus, mais pour pouvoir me dire que je travaille vraiment que pour le plaisir, c'était important pour moi. Et troisièmement, on voulait un projet qui soit utile, où on se dise on sert à quelque chose, on crée des emplois, on a des clients qui sont contents d'être là, on fait gagner de l'argent à nos actionnaires. Enfin, on voulait contribuer d'une certaine manière à l'économie, au bien-être des gens, sans forcément parler de bonheur des gens, c'est un peu trop, mais on voulait que ce soit utile. Et avec Price Minister, on a trouvé ces trois choses-là,
Et il se trouve qu'effectivement, on est plutôt dans un modèle qui est, en termes d'environnement, plutôt positif, parce qu'au fond, il y a une logique évidente de recyclage. Mais c'est quelque chose, on le savait en le faisant, mais c'était pas, on ne l'a pas fait pour ça. Et évidemment, dans le côté être utile, c'est aussi le côté ne pas créer le malheur d'autres ou ne pas créer dépendance avec les autres. Moi, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à travailler dans le tabac. Voilà. Parce que, et pourtant, de temps en temps, je fume une cigarette, j'aime bien. Mais je pense que psychologiquement, je ne pourrais absolument pas me dire que je vends des produits à des gens et après, ils sont malades. C'est un truc que je ne peux pas. Donc, j'ai la chance d'avoir choisi. Et donc, je suis très fier d'être dans une boîte où on apporte plutôt des choses positives aux gens, on augmente leur pouvoir d'achat, on leur permet de recycler des produits et c'est positif. On permet aux entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires en vendant chez nous, c'est positif. Mais on l'a pas fait pour ça. C'était essentiel, mais c'était pas une démarche une démarche caritative. C'était une démarche entrepreneuriale. Ben, je pense que si tous les entrepreneurs en France partent, on aura un gros problème et l'entrepreneuriat aura encore moins la cote. Donc déjà, je pense que c'est bien qu'il y en ait qui restent et je suis fier d'en faire partie. Après, il y a deux raisons pour lesquelles je suis en France. D'abord parce que je suis français et donc c'était plus facile pour moi de monter une boîte en France. Je parle le français, j'ai fait mes études ici, donc je comprends mieux les Français que je comprends n'importe quel autre pays, n'importe quelle autre culture. Donc c'était naturel pour moi de monter une boîte ici. Et puis deuxième point, j'aime beaucoup vivre en France. Je trouve que Paris est une ville super sympa. J'aime beaucoup la gastronomie française. J'aime beaucoup. Je trouve que les Français sont bougons, mais en même temps, j'aime beaucoup aussi. Donc pour moi, c'est normal de vivre là où on est bien. Et je pense que si la vie professionnelle vous contraint à vivre dans un pays que vous n'aimez pas, c'est que soit professionnellement, c'est tellement mieux que vous vous y retrouvez, soit que vous mettez la vie professionnelle trop dans votre ordre de priorité. Le plus important dans la vie, c'est pas le boulot, c'est d'être heureux avec sa famille, ses amis, etc. Moi, je vois plus ça en France pour moi. Alors, j'adore voyager, donc je voyage le plus possible. Mais quand je reviens en France, je me sens chez moi. Donc, j'irai jamais vivre en Belgique pour payer moins d'impôts, par exemple. Je trouve ça complètement aberrant de se dire on gagne de l'argent pour être libre et puis après, on est tellement libre qu'en fait, on va vivre dans un pays qu'on n'aime pas pour payer moins d'impôts. Je comprends pas. J'imagine pas partir à l'étranger pour monter une boîte juste parce que c'est mieux d'entreprendre là-bas. En revanche, par exemple, je suis fasciné par l'Asie. Alors, ça tombe bien, je vais aller souvent au Japon maintenant, mais je vais souvent en Asie parce que je trouve qu'il y a des cultures là-bas fabuleuses. Et si j'avais pas de femme, pas d'enfant, peut-être j'irais monter une boîte en Chine, par exemple, ou au Japon. Mais ce serait parce que j'ai envie. Ce serait pas parce que je me dirais que c'est plus facile de monter une boîte là-bas. C'est pas la bonne grille de lecture. C'est un rêve de tout entrepreneur, c'est de faire disparaître son équipe technique. S'ils nous écoutent, ils seront ravis. Alors l'idée c'est de dire en fait, c'est vrai de plein de choses, mais que les choses les plus importantes ou les plus abouties sont les choses qu'on ne voit pas finalement. C'est vrai plein de choses esthétiques aussi. Quelque part, c'est vrai aussi dans une forme d'élégance. Par exemple, c'est vrai dans la nourriture aussi. Moi, j'adore la nourriture simple. Et c'est tellement simple que c'est très, très bon, quoi. Et c'est vrai dans la déco. Quand ça brille trop, ça fait mal aux yeux. Mais quand c'est très simple et épuré, c'est sympa. Ben, l'informatique, pour moi, c'est un peu ça aussi. Et l'idée de cette phrase-là, c'est de dire ben, il faut que la technologie soit au service des clients. Et il faut que l'ergonomie soit la mieux possible et que le client s'y retrouve et que ce soit simple et qu'il n'ait pas l'impression d'être sur un site branché. Parfois, on nous reproche, on nous dit « Privacy Minister, c'est pas branché, c'est pas machin ». Je pense que le but d'une technologie, c'est pas qu'elle soit branchée, c'est qu'elle rende exactement les services que les utilisateurs attendent. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Price, c'est quelque chose de très efficace, d'efficace et de très fonctionnel. Voilà. Donc, c'est ça l'idée de cette phrase. On n'a pas encore de résultats pour Isaïe parce qu'on vient de démarrer. On a fait un premier investissement qui est covoiturage.fr, qui est le leader du covoiturage en France. Donc c'est une très très belle boîte. Je suis vraiment très très content et très très fier qu'Isaïe soit rentré au capital de cette boîte.
Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, elle a plein de similitudes avec Price Minister. C'est vraiment une place de marché. Là, ça met en relation des gens qui conduisent des voitures et des gens qui veulent monter dedans. Mais finalement, c'est assez proche de la logique d'acheteur-vendeur quand on regarde les flux financiers, le service rendu, etc. C'est vraiment de la mise en relation. Il se trouve qu'écologiquement, c'est vraiment... évidemment, ça fait beaucoup de sens. Là encore, c'est pas fait pour ça, mais à l'arrivée, c'est vrai que ça fait partie du service que ça rend. Et donc c'est un très très bel investissement. On a bouclé notre première levée de fonds il y a un mois et demi. On a déjà fait un investissement, ce qui est, je pense, assez une sorte de record. Et là, on est en train d'en préparer plusieurs autres. Donc, j'espère qu'on en fera deux avant la fin de l'année, peut-être trois, disons probablement deux. Et on reçoit trois dossiers par jour. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que le premier pari qui est d'être attractif pour les entrepreneurs est réussi. Maintenant, le vrai pari, donc on a été attractif pour les gens qui veulent lever des fonds. On est attractif pour les gens qui veulent en investir, puisqu'on le premier closing, le premier levée de fonds a été sursouscrit très au-delà de nos attentes, donc c'est très bien. On a 60 entrepreneurs du web français qui ont investi. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien travailler, c'est-à-dire à bien sélectionner les boîtes, à bien les accompagner. Et ça, ben, on saura si on l'a fait dans 2-3 ans, pas avant, bien sûr. Alors, si j'étais au gouvernement, j'y serais pas allé, parce que je fais pas de politique et que je pense que c'est pas du tout un métier qui est fait pour moi. Je pense qu'il faut savoir ce pourquoi on est bon et ce dans quoi on est heureux. Je pense qu'en politique, je serais vraiment pas bon et certainement pas heureux, parce qu'on fait trop de compromis. Et la démarche entrepreneuriale, c'est d'aller vers la liberté, de pouvoir dire ce qu'on pense tout le temps. En politique, on dit jamais ce qu'on pense. On peut pas. On doit toujours composer avec tout le monde. Donc voilà pour la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, je pense que ce qui a beaucoup aidé, une chose qui a beaucoup aidé la création d'entreprise, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc si j'étais en politique, j'essaierais déjà de le protéger, parce qu'il est attaqué par certains. Je pense que c'est très positif. J'essaierais peut-être même de l'étendre encore plus. Et je crois qu'il y a des projets en ce sens. Et sinon, spécifiquement dans le numérique, j'essaierais de construire l'Europe qui n'existe pas. On n'a pas d'Europe, des droits des sociétés, de la fiscalité, des droits du travail, et ça pénalise énormément toutes les entreprises françaises, mais de chacun des pays d'Europe, qui sont toutes sur des petits marchés, mais aucune sur le grand marché qui est l'Europe. Et ça va devenir un problème grandissant face à la montée en puissance de la Chine, par exemple, qui a un marché énorme et qui va nous inonder avec des produits dont tous les coûts de développement seront déjà amortis sur le marché local. Alors, pourquoi maintenant, enfin, pour quelles raisons et pourquoi maintenant on a vendu à Rakuten, tout ça est mêlé. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par différents groupes début 2000, quelques mois, qui voulaient nous racheter. Et on trouvait que c'était tôt, parce qu'on double notre bénéfice cette année, en 2010 par rapport à 2009. Je précise qu'il y a des chiffres un peu fantaisistes qui ont été sortis par des journalistes qui comprennent pas la compta, mais en gros, on a fait l'année dernière 6,6 millions de résultats positifs, d'EBIT, de résultats d'exploitation. Cette année, on va faire entre 12 et 15. Donc, on est sur une très très belle trajectoire. On a beaucoup de trésorerie, on a 25 millions d'euros de trésorerie sur nos comptes. Donc, on est dans une situation très très saine, très grosse croissance. Enfin, tout ça est fait qu'on n'avait pas de besoin et qu'objectivement, c'était probablement un peu tôt. Intrinsèquement, quand on regarde le développement de Price Minister, on aurait probablement valu beaucoup plus d'argent dans 2 ans, par exemple. En même temps, quand on vend une boîte, on ne fait pas ça que pour l'argent. On fait ça pour l'argent et pour le projet. Et c'est vraiment les deux qu'il faut. Il ne faut pas juste l'un et pas l'autre. Premier point. Et deuxième point, la vente d'une société, c'est la rencontre entre un acheteur et un vendeur. Et au départ, l'acheteur n'est pas acheteur. Au départ, le vendeur n'est pas vendeur. Et puis, il y a un dialogue qui naît. Et puis ça peut aboutir ou pas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a discuté avec pas mal de gens et on a assez vite fermé la porte, ça a vite tourné court avec pas mal. Bon, il y en a avec qui ça a continué, mais quand Rakuten est arrivé, on a tout de suite, assez vite senti qu'il y avait un fit important et qu'il y avait un projet intéressant. Et donc, on a une valorisation qui est bonne, qui aurait probablement été bien meilleure dans 2 ans, mais en même temps, elle est bonne maintenant. En même temps, par exemple, la bourse est basse, donc... on peut aussi se dire que bah oui, dans 2 ans, peut-être on aura plus cher, mais la bourse aura remonté, donc on ne saura pas placer l'argent pareil. Donc après, là aussi, il faut voir en fonction des cycles. En tout cas, la valorisation est bonne
pour l'état de l'économie en ce moment. Et puis en termes de projet industriel, c'est passionnant puisqu'on va développer pour l'Europe tout Rakuten, enfin Price Minister, en gros Price Minister et Rakuten Europe. Quoi. Et ça, c'est une opportunité qui arrive très très peu souvent parce que sinon, la plupart des acquisitions comme ça, c'est les gens ont déjà une équipe en France ou dans la géographie de la boîte qui rachète, ils fusionnent les équipes, on passe par 6 mois de plan social, enfin que des trucs qui fait qu'on n'aurait jamais vendu dans ces conditions-là parce que ça ne nous amuse pas de faire des plans sociaux. Quoi. Donc, c'est pas pour ça que j'ai monté Price Minister, c'est pas pour optimiser des coûts avec des plans sociaux. Donc, ce projet industriel est exceptionnel. Et puis il y a eu un fit humain qui est très fort avec cette boîte-là, avec Rakuten et leurs dirigeants. Et puis elle est dirigée par son fondateur, c'est un truc qui nous plaît beaucoup aussi. Et puis j'adore le Japon. Bon, c'est pas pour ça qu'on a décidé, mais quelque part, en termes de perspective pour le management et pour l'équipe, c'est sympa. Non, je tenterai quand je serai prêt. Là, en ce moment, j'enregistre quelques petites choses comme ça pour voir ce que ça donne, mais évidemment, c'est un hobby aujourd'hui. Hein, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de hautes ambitions là juste aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais avoir une carrière musicale. Quand je dis à terme, l'idée c'est d'abord d'emmener Price Minister en leader européen du e-commerce, donc il y a quelques années de travail. Puis on s'est engagé avec Rakuten à rester au moins 5 ans, donc ça nous emmène déjà dans. Un moyen terme, on va dire. Mais clairement, la musique, c'est quelque chose d'important pour moi, effectivement. J'ai créé une belle société, je crois. J'ai créé des emplois, c'est très positif. J'ai envie aussi d'être dans un registre plus artistique, plus émotionnel. C'est quelque chose dont j'ai très envie depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent savent quand j'ai envie d'un truc, je finis par le faire, ou en tout cas essayer de le faire. Après, on réussit, on réussit pas. Mais bon, ouais, je pense que j'essaierai. Ouais.